Kelly Vaudeville en vacances à Dubaï et saoulée des critiques, elle répond au vieil bic. Après une nouvelle année riche en actualité et en fou rire passé sur le plateau de Touche pas à mon poste, Kelly Vaudeville s'est octroyé de grandes vacances de fin d'année. En effet, la jolie blonde a décidé de quitter le froid en France pour aller se réchauffer sous le soleil de Dubaï. Et sur place, la chroniqueuse de C8 multiplie les visites et autres activités de la ville rendue célèbre par les influenceurs qui s'y sont installés. Malheureusement, une partie de ses abonnés a bien du mal avec son choix de destination. Kelly Vaudeville s'est donc retrouvée à faire l'objet de quelques critiques. En story Instagram mercredi 21 décembre, elle a notamment partagé le message d'une personne en particulier qui remettait en cause sa capacité à s'offrir seule un tel cadre de vie, elle passe de chat à Yves Saint Laurent & Co. Ce ne sont pas ses passages à la télé qui paient tout ça. Merci qui ? Merci Cyril, Hanouna. Note de la rédaction. Encore une vénale. Lâchez-moi les vieilles biques, c'est alors agacé Kelly Vaudeville. Stylo Diva place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, Diva. A place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Après quoi, elle a souhaité faire une mise au point. Je pense vous avoir montré depuis maintenant 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux à quel point j'aime tout dans la vie. Aussi bien Gdo que le four Saison, H&M que Dior, si je peux me le permettre sinon je filme les vitrines, car j'aime la mode. Bref, vous avez vraiment du mal avec Dubaï, ok soit. Je suis curieuse, je voulais voir de mes propres yeux et je ne regrette pas, a-t-elle fait savoir. Et de s'adresser à ces athées, sachez juste une chose, vos insultes ou commentaires abaissants me font méga rire et au pire, m'indiffèrent totalement. Mais ça inquiète mes proches car vous êtes flippants et ça c'est relou. Donc, un follow et moi non. Pour terminer, Kelly Vaudeville s'est dit fière de son parcours, car ce sont des successions de choix professionnels et je n'en regrette aucun, que j'ai accepté ou refusé. Je suis droite dans mes bottes et heureuse, c'est sûrement ça qui vous emmerde pour certains. La jeune femme révélée au grand public grâce à Jim a enfin pris soin de remercier les personnes normalement constituées et stables émotionnellement qui lui sont fidèles sans aucune méchanceté. C'est pour vous que je m'efforce de partager un maximum de choses, a-t-elle assuré, n'en déplaise aux autres.